Bonjour à vous les clients Flexipierre. Nous allons commencer avec cette première vidéo de la chaîne par vous expliquer l'origine de ce procédé. En fait, le Flexipierre a été découvert par accident. Et oui, c'était un Allemand qui, voulant réparer une table en ardoise, a recouvert celle-ci d'une résine trop chargée en catalyseur, ce qui a eu pour effet de chauffer celle-ci et de provoquer sa rétractation. D'où sa stupeur en voyant l'angle de cette table se décoller sur une faible épaisseur qui correspondait à une feuille d'ardoise. À ce moment-là, le déclic s'opéra. Car étant pierreux comme nous, il comprit rapidement le potentiel d'une telle découverte. À cette époque, c'est-à-dire il y a 25 ans, les résines n'étaient pas aussi souples que de nos jours. Mais maintenant, celles-ci offrent une flexion et une grande résistance afin de permettre aux produits de multiples applications. Ce sera l'objet de notre prochaine vidéo, réalisée dans nos ateliers spécialisés dans l'ardoise. Bonne journée à vous tous et à bientôt sur la chaîne Flexipierre.